Aujourd'hui, nous allons parler du Rav Chaim Ben Attar, grand personnage de la Torah, un des commentateurs les plus connus de la Torah. Comme beaucoup de rabbins d'Afrique du Nord, c'était des hommes d'une envergure à tous les niveaux, au niveau évidemment spirituel, au niveau moral, au niveau humain. C'était bref, une belle personne. On n'est pas surpris de voir cette qualité humaine comme ça ressortir aujourd'hui encore à notre époque. Je me rappelle des enseignements de Manitou Ashkenazi qui disait que aborder la Kabbalah, c'est tout simplement aborder la moralité des gens moraux. Toute la Torah est basée sur cette notion-là de grandeur d'âme, grandeur de personnalité. On ne parle pas essentiellement de connaissances élevées spirituelles, ce qui est évidemment le cas du Rav Chaim. Donc le Rav Chaim est né en 5499, c'est-à-dire en 1739. Rabbi Chaim ben Moshe ben Attar, Ibn Attar, est né en 1696 à Salé et est décédé le 15 Tammuz 5503, c'est-à-dire le 25 juin 1743 à Jérusalem. Donc il a vécu 47 ans. Donc il est né au Maroc, d'une famille de commerçants, très aisés, de grands amis des Chachamim, comme son grand-père, dont il porte aussi le nom. On l'appelait Chaim ben Attar Azaken. Et donc il était plongé à la fois dans la Torah, mais ils avaient une aisance financière de par leur travail et du fait aussi qu'ils éditaient et qu'ils s'occupaient de l'impression et de l'édition de livres. Comme beaucoup de rabbanim d'Afrique du Nord, ils s'occupaient de la communauté, ils avaient un travail et ils avaient un certain nombre de compétences. Ils étaient chochettes, donc ils s'occupaient de l'abattage des animaux, ils étaient moëlles, donc ils s'occupaient des circoncisions, ils étaient dayanim, c'est-à-dire des juges dans les tribunaux, ils intervenaient à tous les niveaux de la société. C'était des hommes complètement intégrés dans la société et dans la communauté. C'était donc, et on ne parle pas simplement évidemment que du Rav Chaim, mais ces personnalités qui s'impliquaient dans la société, dans la communauté, qui à la fois donnaient un enseignement, géraient les problématiques de la société, aidaient financièrement, comme on va voir le Rav Chaim, s'occupaient d'aider aussi non seulement ses étudiants, mais les pauvres de la ville. On dit que qu'il faisait en sorte de donner suffisamment de viande à tous les gens démunis dans la semaine. Et il y avait cette dimension vie de la Torah. Et c'est une dimension de la Torah dont on n'imagine pas, parce que c'était du plein temps à la fois dans l'étude et dans le travail, mais aussi la nuit. Ils étudiaient la nuit, ils faisaient des tikkunim, des réparations, des prières spéciales. Ils étaient connus, la famille Ben Attar, justement pour leur lien avec le Beth Amikdash. Et on dit que son grand-père pleurait même chaque nuit sur la destruction du temple. Donc c'était des âmes élevées, mais en même temps proches du Ham Israël et sensibles. Parce que pour pleurer la destruction du temple, il faut vraiment avoir un lien émotionnel au niveau de la Neshama qui fait que on ressent tellement cette perte que la personne en est ébranlée. Donc ici, c'est vraiment des qualités humaines inimaginables. On sait qu'ils étaient aussi, que leur vie était organisée autour du jeûne. Et puis toute la semaine, ils jeûnaient. Et donc il y a des sages comme ça, qui vivent avec le jeûne, et qui sont dans l'étude. En tout cas, le Rav Chaim, lui, était à tous les niveaux de la société, et il avait un travail, il était orfèvre. Mais sa préoccupation, c'est d'être au pouvoir, subvenir aux besoins de sa famille et de la communauté, et de ne pas être dépendant des autres. On ouvre une petite fenêtre, une petite porte sur le mode de fonctionnement des sages d'Afrique du Nord, qui consistait vraiment à être autonome. C'est-à-dire, on avait besoin d'eux, eux n'avaient pas besoin. Alors évidemment, il y avait beaucoup de solidarité, mais en tout cas, le Rav Chaim faisait en sorte d'être suffisamment indépendant pour pouvoir lui-même justement aider. Et donc, il avait décidé, et il avait aussi apparemment un don pour l'orfèvrerie. Et il travaillait de telle manière de simplement subvenir à ses besoins.
enfin aux besoins aussi de la communauté. Afin de garder cette indépendance, c'est-à-dire de fournir le travail juste nécessaire aux besoins, il avait fait en sorte de travailler chez un autre orfèvre, de telle manière qu'on ne venait jamais le déranger lui personnellement. Et donc il travaillait pour un autre orfèvre, et quand il recevait suffisamment d'argent pour ses besoins, il arrêtait de travailler. On raconte comme ça que un jour, donc, le sultan de la région allait marier sa fille. Et donc il avait prévu un certain nombre de choses, dont justement des décorations, des bijoux pour la mariée, la future mariée. Donc le sultan s'était adressé au fameux orfèvre qui lui donnait du travail au Rahaïm pour lui demander donc d'effectuer ses bijoux. Il se trouve que l'orfèvre donc n'a pas pu terminer tout le travail. Et donc le sultan s'est fâché contre l'orfèvre. Ici, à partir de là, il y a je connais deux histoires. L'une qui consiste à dire c'est l'orfèvre qui a dénoncé au Rahaïm afin de s'éviter les supplices et la peine de mort, qui aurait dit donc « Moi, j'ai fait mon travail, j'avais un ouvrier qui devait compléter ce travail, il n'a pas voulu le faire. » Et donc, voilà la situation. Là-dessus, le sultan aurait envoyé ses soldats chercher au Rahaïm. Il y a une autre histoire qui consiste à dire que non. Le sultan connaissait déjà les compétences du Rahaïm et il avait envoyé directement ses soldats chez le Rahaïm. Toujours est-il que le Rahaïm leur a dit « Je suis désolé, depuis quelques jours, j'ai terminé la tâche et le travail qui m'était nécessaire. Maintenant, je consacre mon travail à Akadosh Baruch Hu, au Créateur. Il m'a permis d'avoir la parnassa dont j'avais besoin, à moi maintenant de lui donner ce qui lui revient. » Et donc ils ont dit, mais tu ne peux pas dire une chose pareille, c'est le sultan, si tu refuses, tu vas aller en prison, tu vas être condamné. J'ai fait mon travail, j'ai plus besoin de parnassa, maintenant mon travail est dédié à Kadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde, c'est la chose la plus importante, tout le reste n'a pas d'importance. Autour de lui, on a commencé à s'agiter, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi tu te bloques, tu risques au contraire de mettre ta vie en danger, la communauté en danger. Il vaut mieux accepter ce travail plutôt que de se mettre en danger. Et le Rahaïm a refusé. Rabbi Chaim ben Atta a refusé. Et donc il y a eu comme ça plusieurs allers-retours avec le sultan. Et finalement le sultan a décidé de le condamner. Et tout en ayant évidemment vérifié auprès de lui, en lui posant à nouveau la question, est-ce que vraiment tu veux mettre ta vie en danger alors que je te demande simplement de fournir un travail pour le mariage de ma fille? Devant le refus du Rahaïm, il a été emprisonné. Le Rahaïm a été emprisonné, et pas seulement emprisonné, il a été condamné à mort. La condamnation à mort à cette époque-là, chez ce sultan, c'était la condamnation à mort dévorée par les lions et les tigres. Ce sultan avait une fosse dans laquelle il avait justement dédié au condamné à mort par les bêtes sauvages. C'était ce qui était prévu pour le Rahaïm, était condamné à mort. Donc, les soldats sont venus le chercher, ils l'ont attaché, et avec une corde, ils l'ont fait descendre dans la fosse. Avant de descendre dans la fosse, le Rahaïm a insisté pour avoir ses affaires de prière, son talit, ses tefillines et son sidour. Évidemment, ils ont ri, tu as l'intention d'enseigner la Torah aux lions et aux tigres. Il a insisté, puis apparemment, ils ont accepté, donc il est descendu dans la fosse avec ses affaires de prière et son sidour. Et donc, ils ont retiré la corde en attendant que le Rahaïm soit dévoré par les animaux, donc en s'attendant à entendre des rugissements, des bruits, et puis silence total. En se retournant, ils ont rien entendu. Pas de bruit, pas de rugissement, pas de cri. Et donc, ils sont retournés sur leurs pas, ils ont été voir dans la fosse. Qu'est-ce qu'ils voient dans la fosse? Ils voient les lions debout devant le Rahaïm, sans bouger, comme pétrifiés, ou alors comme s'il y avait une vitre entre le Rahaïm et les lions. Ils ne voient pas qu'il y a une proie. Ils voient cette situation, ils se disent « il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible ». Alors ils se disent « peut-être que tout simplement les lions ont déjà...
n'ont pas encore, assez faim. Donc on va attendre. Et puis, le temps que les lions aient de l'appétit, ils reviennent quelques temps plus tard. Alors là, qu'est-ce qu'ils voient ? Alors, les lions ne sont plus debout, mais ils sont carrément assis, comme en train d'écouter une musique ou quelque chose, et le Horochaïm au milieu. Alors là, ils commencent à trembler, ils prennent peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont affolés, et ils vont voir le sultan en disant « Écoutez, il se passe quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, c'est un ange, c'est un miracle, c'est un saint. » Et sultan, qui ne veut pas croire ce qu'on lui dit, donc se dirige, va voir la fosse, et effectivement, il voit le Horochaïm se pencher sur son sidour avec son talit, et là, il comprend qu'il a affaire vraiment à un grand homme, à un saint, et alors là, c'est lui, à son tour, qui demande à ce qu'on sorte le Horochaïm de la fosse, et commence à s'excuser, demander pardon, demander aussi des prières, qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne sa faute envers un homme aussi important, et suite à ça, la communauté juive va bénéficier d'une petite période de calme et de paix pendant lequel les juifs vont être protégés. Mais bon, comme on sait dans les pays d'Afrique du Nord, on n'en parle pas trop, mais en fait, les pogroms étaient tels que c'était une alternance entre des bons moments, mais assez courts, et des longs moments de souffrance. De souffrance qui était liée à la fois au dhimmi et au statut des juifs dans les pays d'Afrique du Nord, mais aussi l'appât du gain. Quand on regarde l'histoire des juifs, en tout cas ne serait-ce que des rabbins, on comprend que quand même il y a eu quand même pas mal de pogroms. Le Horochaïm, d'ailleurs le Horochaïm l'écrit dans, j'ai pas noté les références, mais c'est dans le livre de Vaïkra, le Horochaïm explique que la vie, en tout cas lui, ce que lui a vécu au Maroc, est de son point de vue pire que de l'esclavage en Égypte. Il pensait même quand il a été à Livourne, il pensait même que l'esclavage, que la galoute des Juifs en pays chrétien était plus simple, plus soft, plus douce que dans les pays musulmans. Je pense qu'il y a une grande problématique à découvrir vraiment la souffrance des Juifs en Afrique du Nord, d'abord parce qu'il y a moins d'écrits. Il y a plein de livres, de témoignages qui ont été écrits, dont justement j'avais lu un livre sur les Juifs d'Afrique du Nord. C'est épouvantable, il y a des choses vraiment absolument indescriptibles, c'est-à-dire que, et le Horochaïm en parle, c'est-à-dire qu'il parle, c'était tellement épouvantable que même, on vous prenait même votre vie. C'est-à-dire, c'était plus simplement les impôts, c'était plus simplement la nourriture, vos vêtements, c'est plus que ça. C'est-à-dire que les gens étaient tellement oppressés qu'il y avait, même la mort, c'était une aubaine. Toutes ces suites d'épisodes ont fait que la famille Benatar a fui de ville en ville, de Salé à Meknès, etc. Et à chaque fois, et même des fois des allers-retours, justement, pour essayer de trouver une certaine paix. Parce que c'est dans cette difficulté que le Rav Chaim Benatar a commencé à développer une réflexion concernant la place des Juifs en Galoute, la place des Juifs en exil. C'est aussi quelque chose qu'on a, on a lu, on a étudié aussi avec aussi les grands sages des pays de l'Est, en Allemagne, dont entre autres le Rav Tertel, qui se sont à un moment donné, devant les catastrophes, qui se sont posées finalement pourquoi toutes ces souffrances, pourquoi toutes ces douleurs. Mais il y a une grande différence. La différence, c'est que chez nos sages d'Afrique du Nord, il y a toujours eu une perception claire et profonde de notre identité juive. C'est-à-dire que nous avons quelque part toujours été liés à notre terre, à notre identité nationale. Et donc, chez les rabbins d'Afrique du Nord, il n'y a pas eu cette notion de sionisme comme il y a eu en Europe. Parce que c'était quelque chose qui était évident. On allait en Eretz Israël de manière spontanée. Beaucoup de rabbins, dès qu'ils se mariaient, ils faisaient en sorte d'obtenir ce qu'ils avaient besoin pour aller en Eretz Israël.
Souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils partaient du Maroc et puis s'arrêtaient en Algérie, puis restaient en Algérie. Ou ils passaient d'Algérie, ils allaient en Tunisie, ils revenaient. Enfin, ils étaient pris sur leur chemin par les communautés et finalement, ils restaient. Mais l'idée claire qui était, c'est on va en Israël. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le Or HaIm, qui décide en 1738. À Fès, dans la communauté de Fès, il décide d'aller en Eretz Israël avant un petit épisode. Le Or HaIm donc s'est marié avec Passonia, qui était une petite cousine, c'était la fille du frère de son grand-père, qui était aussi justement, qui s'était investi aussi dans l'édition des livres. Mais voilà, elle a été empêchée de procréer, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle n'a plus accepté cette situation. Elle a voulu que son mari ait des enfants. Et elle a insisté pour qu'il ait une deuxième épouse. Et donc, il a épousé une femme qui s'appelait Esther, qui était la fille du rabbi Meir Kafas. Alors là, il faut bien préciser que il y a plusieurs choses. C'était que les règles et les lois de la polygamie sont différentes en Afrique du Nord, dans les pays sfarades, que dans les pays ashkénazes. Mais il y a ici quelque chose de fondamental. C'est que cette polygamie est initiée et voulue par la femme. C'est la femme qui pose ce désir, et là, c'est la femme qui a demandé, qui a insisté pour que son mari accepte. Et donc le Or HaIm se lance dans sa tentative en partant à Livourne. Donc il quitte Alger, non sans difficulté, puisque encore une fois, toujours dans la même idée, il va être mis en prison en vue d'être condamné à Alger. Et il va être sauvé par une des personnes de la communauté qui va s'introduire dans la prison et qui va le libérer durant la nuit. Et je ne sais pas si lui s'en est sorti, mais en tout cas, il a réussi à sauver et à cacher le Or HaIm pour qu'il puisse partir pour Livourne. Non sans avoir aussi reçu des approbations pour son livre, ses commentaires sur la Torah, on a profité pour le montrer au grand rabbin de l'époque, qui était le Rav Yitzhak Chouraki, il y avait le Rabbi Yehuda. Donc de nombreuses sommités qui lui ont donné leur approbation, et fort de cette approbation, il s'est senti encouragé aussi dans son projet de monter en Eretz Israël. Donc il arrive à Livourne avec sa famille un mois plus tard, et là, le défi est énorme. D'abord parce qu'il arrive, il faut qu'il s'occupe de sa famille, il faut qu'il la prenne en charge, donc il faut qu'il trouve un logement, il faut qu'il trouve un moyen de survivre. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est que il faut qu'il trouve les fonds pour ce voyage. Et ce voyage consiste à non seulement aller jusqu'à Jérusalem, mais en plus aller à Jérusalem, et son projet, c'est d'établir aussi une yeshiva, en fait deux yeshivot. Donc, c'est un projet énorme, parce que le voyage de Livourne à Jérusalem, c'est pas comme aujourd'hui, les routes ne sont pas sûres, il y a des bandits, le chemin n'est pas évident, il faut s'occuper de toute l'intendance de tout ça, la nourriture durant ce voyage, les dangers, les problèmes de santé, les problèmes de transport, d'autant que son projet c'était de partir avec tout un groupe, c'était une alia de groupe. Et dans cette alia de groupe, il devait réunir aussi des élèves pour pouvoir justement constituer sa yeshiva. Donc c'était des élèves et leurs familles. Et on comprend que derrière ce projet, il y a des qualités humaines exceptionnelles. Il faut être capable de gérer un tel projet. Il faut avoir des compétences pour pouvoir organiser. Et puis ensuite, il faut aller chercher cet argent. Il faut aller chercher les moyens pour pouvoir lancer ce projet, à la fois pour arriver à Jérusalem, mais arriver à Jérusalem pour pouvoir mettre en place cette yeshiva et la faire tourner pour que ses étudiants puissent vivre, et ainsi que le Or HaIm et sa famille. Donc c'est énorme. Et là, il va être aidé
parce qu'il y a une énorme solidarité à Livourne, une énorme solidité dans la communauté juive en Italie en général. Livourne était un centre commercial très important à l'époque, une plaque tournante avec, son port, donc c'était des gens extrêmement riches, et aussi le fait que c'était une plaque tournante par rapport à tout ce qui est édition de livres. Nous, en Algérie, je me rappelle, nos livres s'étaient édités à Livourne. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, le Or Chaim va réussir sur ces trois plans. D'abord, il va trouver, il n'a pas eu besoin, mais parce que dès qu'il est arrivé, on a su qui il était. Et donc, il a eu un accueil qui fait que tout de suite, on lui a proposé des tâches et des fonctions dans la communauté, vu ses compétences. Et il a pu commencer donc à mettre en place son projet. Et en allant de ville en ville en Italie, à la fois chercher les dons, mais en même temps chercher ses futurs élèves. Et il réussit à organiser ce voyage. Et il part. Son départ pour Israël était prévu en 1739, au mois d'Av. Finalement, il ne partira qu'en 1741. C'est-à-dire que son séjour en Italie a duré à peu près deux ans et demi. Le temps de publier ses livres. Exactement. En même temps qu'il est à Livourne, il profite justement de publier ses livres. Le premier, au mois d'Av de l'année 1741, il s'embarque pour Israël, donc pour Yafo. Le but donc, du voyage est d'arriver à Yafo et à de Yafo, monter à Jérusalem. Mais voilà, les choses ne sont pas simples. Donc, partir de Livourne, il passe par Messine en Sicile. Là-bas, ils font un arrêt, et ils reprennent la route, ils reprennent le bateau, et ils arrivent en Alexandrie. À Alexandrie, là, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'il y a une épidémie à Jérusalem, une épidémie de peste, et donc ils vont rester un peu plus longtemps, quelques semaines à Alexandrie, pour pouvoir prendre le bateau ensuite vers Yafo, le port de Yafo, et ensuite monter la montée vers Jérusalem, la fameuse montée de Jérusalem. Mais voilà, le capitaine se trompe d'itinéraire. Et au lieu d'arriver à Yafo... C'est pas vrai. Comédie d'abord. Et donc le capitaine se trompe d'itinéraire et au lieu d'arriver à Yafo, il arrive à Akko. Ah. Et donc, à l'approche de Akko, Or Chaim, le rabbi Chaim Ben Attar, demande au capitaine de revenir sur Akko et s'étant aperçu de son erreur. Et leur capitaine lui explique, d'un point de vue matériel, c'est plus possible. Il ne peut plus retourner sur Akko, sur Yafo, et donc il est obligé d'accoster et de le débarquer à Akko. Donc, le Or Chaim, la famille, ses élèves et leur famille débarquent à Akko. Et qu'est-ce qu'ils apprennent à Akko? Que justement, à Yafo, il y avait aussi l'épidémie. Donc, c'est un miracle. Il faut dire quand même quelque chose. Il faut se rappeler que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Des grands n'ont pas réussi à venir en Israël. Le Baal Shem Tov, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, n'a pas réussi à arriver en Israël. Le Rambam a réussi à venir, mais il a dû repartir en Égypte, donc il n'a pas pu rester. Et le Or Chaim arrive à Akko, et ensuite il va faire tout son périple jusqu'à Jérusalem. Par contre, la chose qu'il faut dire, c'est que beaucoup de grands chachamim qui sont arrivés en Israël ne sont pas restés vivants. Le Ramchal, le Shla, le Or Chaim, beaucoup n'ont pas vécu très longtemps en Israël. Ils sont arrivés et on va voir, le Or Chaim a fait un travail énorme. Tous ces chachamim ont fait un travail énorme en l'espace de quelques années. C'est affolant ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu donner dans le temps qu'ils avaient. Le Or Chaim est décédé à 47 ans. Donc le Or HaChaim arrive à Akko, et j'ai trouvé le témoignage du Rav Avraham Ishmael Chai Sanguinetti, excusez-moi, qui a été un de ses élèves, et qui dit comme ça: à Rosh Hashanah, nous nous sommes rendus à pied jusqu'à la tombe de Chujdai Acharichi, l'un des amis et conseillers du roi David, qu'on voit dans le livre de Shmuel, dans un village nommé de Yashiv, dont il est fait mention dans le Zohar. Nous y avons vu dans quelle abondance on y vivait. Il s'y trouvait aujourd'hui 10 personnes respectueuses de la Torah et des mitzvot qui donnent les dîmes et brûlent la trouma. Or, cette année 5502, ils ne s'aiment pas.
car c'est la Shemitah. Mais ils n'en ressentent aucune difficulté. Ils vivent comme nous vivions auparavant, libres et dans la paix. Quiconque s'installe ici pour étudier perçoit la plénitude et la liberté de cet endroit. L'air d'Israël rend plus sage et la nourriture y est bon marché. Déjà à cette époque-là. À l'époque, quand on est arrivé, la nourriture était bon marché. Et l'air était aussi pur. On y trouve de l'eau comme on n'a jamais vu de par le monde. Il n'existe entre ses habitants aucune forme d'animosité, aucune jalousie, ni aucun désir de compétition. Il y avait une ambiance comme ça quand je suis arrivé. Il n'y avait pas toute cette folie de la consommation, de la personnalité, du bien-être personnel. Il y avait beaucoup plus de solidarité, de générosité, de simplicité. Nous sommes restés sur la tombe du Choujdaï 6 jours durant, en y étudiant la Torah, les prophètes, les hagiographes. 6 jours d'introspection pendant lesquels nous nous sommes penchés sur la nature des liens que cet ami entretenait avec le roi David et sur les conseils qu'il prodigua. Donc il parle ici de Or HaChaim. On verra que le Or HaChaim, on lui donne comme origine la Neshama du roi David. Certains expliquent qu'il partageait cette Neshama avec le Baal Shem Tov, qui explique cette communication spirituelle qu'ils avaient. Et donc, le Or HaChaim arrive donc à Akko, et il va s'installer plusieurs mois. Il va installer sa yeshiva là-bas, dans un premier temps, il va trouver un endroit, et il va pendant 6 mois, je crois, il va pouvoir installer ses étudiants et leurs familles. Et de Akko, il va aller à Tibériade, où se trouve le Rav Chaim Aboulafia. Le Rav Chaim Aboulafia était très âgé à l'époque, et donc il a insisté au Rav Chaim de prendre la relève. Or, le Rav Chaim s'était engagé auprès de ses donateurs, et donc c'était son projet, de construire sa yeshiva, de monter sa yeshiva à Jérusalem. Et donc, le Rav Aboulafia donc, va écrire lui-même aux donateurs, aux richissimes italiens, pour essayer de le faire changer d'avis et d'encourager donc le Rav Chaim à finalement construire sa yeshiva à Tibériade. Et mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va dire sur le Rav Chaim. Il dit comme ça, c'est un grand homme. C'est un grand homme qui nous vient du Maghreb, un homme chez qui se trouvent toutes les qualités, l'érudition, la sagesse et la crainte de l'Éternel. Il est comme un ange. Certes, il a l'air d'un homme comme les autres, mais la lumière de son visage, le tselem, laisse resplendir sa profonde humilité. Il appartient aux anges de l'armée céleste, bien qu'il soit paré de vêtements. C'est une, comme on a dit, c'est vraiment un être exceptionnel, mais sur tous les plans, sur le plan humain, qui prend soin, on va voir par la suite, non seulement il va prendre soin de ses élèves de la yeshiva, mais il va prendre soin aussi de toutes ces neshamot, ces personnes qu'il a rencontrées sur son chemin en galoute. Et donc ses élèves donc dans sa yeshiva prieront pour justement la paix, la santé de tous ces donateurs, de tous ces gens qu'ils ont rencontrés en galoute. Donc le lien avec les juifs d'exil est gardé, et leur amour et leur solidarité. Le Rav, finalement, réussit son projet. Et le 15 du mois de Elul 5502, donc on est en 1742, c'est-à-dire presque à peine un an après son départ, après qu'il quitte ce monde, le Rav Chaim Ben Attar arrive à Jérusalem avec un groupe de 30 disciples, dont le Chida. Et il va fonder sa propre yeshiva, Yeshiva Knesset Israël, qui va comporter en fait 2 yeshivas. Il va y avoir ce qu'on va appeler la yeshiva traditionnelle, les enseignements de la Gemara, de la Kabbale, de la Mishnah, etc. Et puis une deuxième yeshiva consacrée au Sod, au secret, à la Kabbale, à des élèves plus érudits, plus avancés, qui auront pour certains une autorisation spéciale pour venir étudier vraiment avec le Or HaChaim. Et le Chida témoigne sur justement le Or HaChaim. Le Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui est né en 1724 et décédé en 1806, dit comme ça. Il écrit donc dans son livre Shem Agdolim, il écrit comme ça. Alors que j'étais encore très jeune, j'ai eu le mérite de prendre place dans sa yeshiva.
du Or HaChaim. Mes yeux ont vu alors la grandeur de sa Torah, arracheur des plus hauts sommets, lui dont la sainteté dépassait tout. Le cœur de notre maître le plongeait dans l'étude du Talmud, qui faisait jaillir comme une fontaine sans fin. Et la sagesse qui se dévoile dans ses livres ne constitue qu'un dixième de son érudition et des largesses de son cœur. Quant à sa perspicacité, elle dépassait de loin tout ce que l'on pouvait en connaître. Il émanait de lui une profonde sainteté, un éloignement des choses du monde, autant de qualités qu'accompagnait un formidable rayonnement. Voilà ce que dit le Chida. Et donc, on comprend ici qu'il y avait une grande personnalité. Il y a une histoire sur Pessah, mais celle-ci, elle nous fait retourner au Maroc. Pessah, le Or HaChaim s'aperçoit qu'il n'a pas d'invité. Et donc, il envoie un de ses élèves à la recherche, dans la ville, d'un invité. Et donc, son élève se part en ville, fait les encours de droite à gauche, et puis il voit personne. Et puis il passe à côté du cimetière. Et puis il entend des cris. Et donc il tend l'oreille, il continue à entendre puis il s'aperçoit que ces cris, ce ne sont pas des cris, ce sont des pleurs. Donc il rentre dans le cimetière, et qu'est-ce qu'il voit? Un homme prostré, courbé, en train de pleurer, Donc il s'approche et il demande qu'est-ce qui se passe. Donc il s'aperçoit donc que c'est un juif. Il essaye de le faire parler, mais il n'obtient aucune réponse. Et donc il retourne voir le Or HaChaim en lui expliquant ce qui s'est passé. Il n'a trouvé personne, simplement il est passé devant le cimetière avec un homme qui pleurait sans arrêt, qui n'a pas été capable de lui expliquer ce qui se passait. Et donc le Or HaChaim, après ces paroles, rentre, sort de chez lui, va au cimetière et va voir cet homme. Cet homme, voyant Or HaChaim approcher, est impressionné, se lève, fait face au Or HaChaim et lui explique son malheur. Son malheur, c'est qu'il avait travaillé pendant plusieurs mois, presque une année, à rassembler de l'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Étant donné la famine, il a donc laissé sa famille avec suffisamment de quoi vivre, mais ça ne suffisait pas, donc il est parti chercher un travail pour pouvoir ramener suffisamment d'argent et pour pouvoir faire vivre sa famille. Ceci, c'est... Et d'autre part, de là où il était, il y a une famille riche, qui lui a donné une somme d'argent très importante à amener là où il allait. Et donc il avait dans sa bourse à la fois tout ce qu'il avait gagné pendant presque un an, plus l'argent que cette famille riche lui avait donné dans sa bourse. Et voilà que sur le bateau, tombe dans l'eau. Et donc il se trouve sans rien, plus rien. Plus rien même pour lui, rien du tout à ramener. Et donc il se retrouve au cimetière, en train de pleurer, et le Or HaChaim lui dit: écoute, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à pleurer, viens avec moi, viens, on passe Pessah, et puis ensuite tu verras les miracles qui peuvent se produire. Et donc il va, il suit le Or HaChaim, ils vont passer le Seder ensemble, Pessah ensemble, et puis le Or HaChaim à un moment donné dit: maintenant viens avec moi, tu vas m'accompagner à la plage. C'est le Or HaChaim, ils arrivent devant la plage, et le Or HaChaim lui dit comme ça: tu vas fermer les yeux et à un moment donné, je vais te dire de les ouvrir. Et quand tu verras l'objet que tu recherches en face de toi, tu le prendras. Mais tu ne prendras rien d'autre. Et donc, il ferme les yeux. Le Or HaChaim lui dit d'ouvrir les yeux. Et tout d'un coup, devant ses yeux, il y a des tas de trésors qui apparaissent. Des caisses d'or, des choses extraordinaires. Et il écoute le Or HaChaim. Il ne bouge pas jusqu'au moment où il voit sa bourse sortir de l'eau, il la prend dans ses mains, il ouvre ses yeux et c'est vraiment sa bourse qu'il a. Et donc il remercie évidemment le Or HaChaim, il repart dans la joie. Il y a tellement d'histoires qui sont racontées comme ça, des dimensions dans lesquelles oui. on n'a pas accès. C'est... Voilà, par exemple, justement, en parlant du Baal Shem Tov, on sait que le Baal Shem Tov avait entendu parler et on sait qu'il était lié au niveau de son âme avec le Or HaChaim. Il a toujours désiré retrouver le Or HaChaim pour partager sa Torah avec lui. Et quand on dit que quand le Or HaChaim est arrivé à Jérusalem, il a dit comme ça: chaque nuit, lorsque mon âme monte dans les sphères supérieures, je passe devant tous les grands, tous les justes de notre génération, à l'exception du Rabbi Chaim Ben Attar qui me précède. Il monte pour écouter la Torah du Gan Eden. Et donc, il apprend que le Or HaChaim est arrivé en Israël, il va le dire, le Mashiach est arrivé. Dans un premier temps, il va envoyer un messager
pour pouvoir déjà prendre contact avec le Horaïm. Et donc il va envoyer son beau-frère, Rabbi Avraham Gershon Mikitov, afin d'étudier avec le Horaïm. Afin d'étudier avec à la seconde yeshiva. On a dit qu'il y avait deux yeshivot, une traditionnelle et une plus. Des Mekoubalim, le Sod, le secret. Et on va voir que ça ne va pas être facile pour Avraham, le Rabbi Avraham Gershon. Et donc il va aller, il va arriver à Jérusalem, il va rencontrer le Or HaChaim, et il va, dans un premier temps, étudier la Shiva traditionnelle. À un moment donné, ne sachant pas comment dire au Or HaChaim que le but du Baal Shem Tov en l'envoyant était qu'il étudie à la seconde yeshiva. Et donc, au moment où il se rend au Or HaChaim pour lui demander, le Or HaChaim lui dit « Ne t'inquiète pas, après Shabbat, nous irons ensemble à la seconde yeshiva, sans qu'il y ait pas. » Donc, il étudie avec le Or HaChaim et le Baal Shem Tov lui envoie cette fois-ci une lettre demandant l'avis du Or HaChaim sur son éventuelle arrivée en Israël, sa montée à Jérusalem. Il dit, tu répondras au Baal Shem Tov comme ça. Est-ce qu'il arrive à voir tout mon corps céleste dans le Gan Eden céleste? C'est-à-dire que dans sa vision spirituelle, est-ce que le Baal Shem Tov réussit à voir tout le corps du Or HaChaim? Quelques jours plus tard, il reçoit la réponse et il lui dit « J'arrive à voir toute la partie supérieure de ton corps, mais pas la partie inférieure. » Et là, le Or HaChaim lui dit « Il ne doit pas faire ce voyage. Tu n'arriveras pas en Israël, donc il ne doit pas entreprendre ce voyage. » Entre-temps, le Baal Shem Tov s'est déjà engagé et s'est déjà dirigé vers la Turquie, donc il n'a pas pu voir la lettre. Et c'est là où il y a toute une histoire où on explique sur le bateau qui l'a emmené vers la Turquie, il y a eu une grande tempête, et suite à cette tempête, sa fille, Odèle, a dit au Baal Shem Tov, « Si c'est ainsi, moi je vais sauter à l'eau pour calmer l'eau, pour qu'ensuite tu puisses rentrer à bon port avec tes livres. » Et le Baal Shem Tov lui en dit, « Odèle, il y a une chose plus importante qui va sortir de chez toi que ces livres. » Et donc on va jeter les livres plutôt que toi, et bon après il y a tout, toujours est-il donc c'est que le Baal Shem Tov n'a pas réussi à rencontrer le Or HaChaim, mais qu'ils étaient en communication spirituelle, et le jour où le Or HaChaim s'est éteint, le Baal Shem Tov, c'était un Shabbat, a dit à ses élèves, une lumière s'est éteinte à Jérusalem. Et donc c'est le Or HaChaim qui était parti à 45 ans. Mais on va voir que malheureusement, c'est que les épouses vont le suivre peu de temps après. Dans l'année qui suit, elles vont le suivre. Justement, j'avais fait un Dvar Torah il n'y a pas longtemps sur Sarah Imanou, qui est mort justement avant son terme. Et le Or HaChaim, justement, il explique dans son commentaire sur le départ de Sarah, qu'en fait, Sarah, tout en ayant quitté ce monde avant son terme, puisqu'elle aurait dû vivre beaucoup plus longtemps, en fait, elle a réussi et elle a accompli dans ce temps limité tout ce qu'elle devait accomplir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et je pense qu'on le sent soi-même dans notre vie, quoi. Des fois, on est capable d'accomplir en un instant, en une journée, en un après-midi, ce qui nous a pris, des fois, en une année, on n'est pas arrivé à faire. Il y a des choses comme ça qui se passent, qui fait que notre volonté, comment dire, l'environnement peut se déplace de telle manière, les choses se font très rapidement. En fait, les choses peuvent se faire très rapidement, c'est une question de volonté.